3, 2, 1, go. Bonjour tout le monde, alors bienvenue au premier cours virtuel. Il y en aura les mardis et les jeudis à 18h45 à cause de cette situation malheureuse. Alors, je veux vous dire que le cours est pour tout le monde, pour les petits, pour les grands, pour les différents niveaux de ceinture et aussi pour les parents. Parfait. Et pour nous encourager, j'aimerais que vous envoyiez des photos de vous et des vidéos pour nous encourager à continuer à donner ces cours-là. Donc, assurez-vous d'avoir assez d'espace. Enfin, on fait très attention pour ne pas frapper quelqu'un ou pas frapper un mur ou pas frapper ses meubles. Et assurez-vous d'avoir une bouteille d'eau au cas où si vous avez soif. Parfait, alors on va commencer. Coupez main. Salut. Plus on écoute. Super. Alors, on va commencer avec un petit réchauffement pour les articulations. On met les mains sur les hanches. On fait des oui. 1, 2, 3, 4, 5. On fait des non. 1, 2, 3, 4, 5. On fait des chips à pédale. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Maintenant, on va faire des grandes rotations vers l'avant. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. Vers l'arrière. Doucement. 1, 2, 3, 4, 5. On y va plus vite. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Mets les mains sur les hanches. Ou là-haut. 1. On fait des grands, grands cercles. Pas juste ça, là. Grand, grand cercle. 1, 2, 3. On va le côté. 1, 2, 3. Super. Maintenant, on va lancer d'un bord et d'autre. Super. Colle les pieds. Mets sur les genoux. En avant, en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Maintenant, on va faire l'exercice préféré à Karine. On lève une jambe, lève les mains. On va tourner ça. Poignet et l'échevé. 1, 2, 3. Le côté. 1, 2, 3, super. L'autre jambe. 1, 2, 3, le côté. 1, 2 et 3. Super. Alors, on va commencer ça. Regardez bien cet exercice qu'on va faire. Puis, si on écoute tout le monde, on va juste regarder. Alors, je vais mettre en position combat. Quand je vais dire go pendant 10 secondes, on va faire jab, punch, switch. Je change de côté. Jab, punch, switch, jab, punch, switch le plus vite possible. Et par la suite, quand je dis stop, on arrête bien sûr. Et le deuxième exercice, on va mettre les mains en haut toujours, on va faire un squat et on va kicker. Squat et on va kicker. Seulement pendant 10 secondes. Alors, il faut donner son maximum et aller le plus vite possible. Pousse au combat, on est prêt. Donc, le premier, jab punch, switch, jab punch, le plus vite possible. On est prêt, 10 secondes. Go! Jab punch, jab punch, jab punch, jab punch. Encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et stop, super. Mais en haut tout de suite, squat kick, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, super. Pousse au combat, on est prêt, jab punch, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, super. Squat kick, on n'oublie pas, on garde les mains en haut, on lève les pieds. On y va, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, super. On y va une dernière fois, pour son combat, j'approche le plus vite possible, on vise au milieu, on reste précis. On est prêt, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Squat kick une dernière fois. Le plus haut possible des pieds. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pousse, on écoute. Excellent. Bon travail tout le monde. Good job. Assis. On ouvre les jambes. En plus, vous avez un petit peu plus de temps, vous avez beaucoup plus de temps, vous pouvez maintenant vous étirer, en profiter,
en même temps de regarder la télévision, en même temps de jouer à Xbox, je suis certain qu'il y en a là-dedans, eh bien vous pouvez ouvrir les jambes pour essayer d'améliorer vos kicks. On reprend son souffle, inspire, expire. Inspire, expire. Quand on inspire avec le nez, expire avec la bouche. Essayez d'ouvrir le plus grand possible. Super. On va toucher le pied gauche. On compte avec moi jusqu'à 10 en français. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va toucher le pied. Il va en anglais maintenant. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Allez, au milieu. Essayez d'ouvrir le plus grand si t'es capable. Faut juste que ça fasse un petit peu mal. Vous gardez les orteils vers le haut. Avancez le plus loin possible. On reste là. Super. On remet un petit peu. On avance encore. Maintenant, on va compter jusqu'à 10 en japonais. Répète après moi ceux qui ne savent pas. Ich, ni, san, yon, go, beku, sichi, hashi, kyu, ju. Super. Ramenez les deux pieds ensemble. Papillon. Stop. Papillon. Stop. Super. Alors, il faut faire très attention. On écoute bien les consignes ici, à la maison et à l'école. On écoute bien ses parents et ses enseignants et son sensei. On se lève debout, on n'oublie pas à lever les mains. On se lève debout. On se l'écoute. Super. Pousse au combat. Ouais, c'est pas assez vite, ça. Pousse au combat. Pousse au combat. Bravo. Maintenant, n'oubliez pas, maintenant, on va faire chaque manche crochet. Premier, on va faire tranquillement. On se concentre sur bien le faire. Jab, garde en haut. Poche, en haut. Crochet. On n'oublie pas, on vise son visage. On lève le coude, pas le coude en bas. Lève le coude. On y va encore. Jab, poche. Crochet, bravo. Maintenant, quand je veux dire go, on y va tout le monde ensemble. N'oubliez pas, je vais entendre jab, punch, crochet. Go, jab, punch, crochet. Go, jab, punch, crochet. Go, jab, punch, crochet. Go, jab, punch, crochet. Bravo. Assurez-vous de toujours avoir la main sur le crochet. On ne descend pas la main. Go, jab, punch, crochet. Go, jab, punch, crochet. Go, jab, punch, crochet. Pousse les coudes. Bravo, c'était vraiment bon. Maintenant, on va faire les 8 blocs de base. Alors, je vais faire une fois et après ça, on va faire tout ensemble. Nous sommes au bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha! Bravo. Maintenant, on va faire un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha! Super! On se concentre toujours d'avoir une main en haut. Je ne veux pas avoir une main en bas, une main qui bloque, ça c'est pas bon. Une main qui bloque, l'autre main, je veux toujours qu'elle soit à la joue. Parfait? On y va encore une autre fois. Main en haut, on est prêt? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha! Dernière fois. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est quoi la première étape? C'est là, on colle les pieds, ensuite, main à l'étui, on met par-dessus, on ouvre les jambes large, 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 on plie et on punch jack. Ha! Pousse sur les côtes. Super. Maintenant, on fait attention, quand on va prendre la position de cavalier, j'ai une bonne position basse. On recommence encore une fois. On colle les pieds, on descend à l'étui, on met par-dessus, on fait des visages méchants. Les parents, là, c'est le temps de prendre des photos. Là. Les jambes, on plie, on poche. Ha! Carré du méchant. Vous en écoutez? Bravo! Maintenant, on va acheter des punch tag. Quand je dis hop, on voit des punch tag. Hop! Ha! Hop! Ha! Du plus fort que tu peux, le plus vite que tu peux, tu vises ton plexus. Ici, là. Voilà! On reste précis. On colle les pieds. On met par-dessus, du méchant, on ouvre, on plie, on punch jack, ha! On est prêt, hop, ha, hop, ha, hop, ha, hop,
suis. On veut pas les mener n'importe où, là. On y va encore. Qualifié. Et ça va être suivi. On est encore dessus. On ouvre les jambes. On plie. On punch. Ha! On est prêt? Hop! Ha! Passe à main à l'épaule, l'eau main devant, avance la jambe,
On plie, plie, plie. Et on bloc. Bravo, pousse son écoute. Maintenant, il va d'un coup. Quand je dis le point, il va pousser en avant. Go! Et on remet pousse son écoute. Bravo! Maintenant, restez ici. Sensei, on dit quelque chose. Salut, pouce, bravo tout le monde.